Mise au point choisie après la Chita sous 29e réunion intersessionnelle, conférence chef d'État, chef gouvernement pays qui n'a Caricomio. Conférence à la fête 26 à 27 février, Cap Vinia, et c'est Haïti qui a accueilli 29e réunion. On va regarder qui s'apprête à discuter dans le cadre de ça. Pas oublier, c'est le président de la République, là, Jovenel Moïse, qui est président. Pourquoi il est là et Caricom là. Et là, et qui ça ici capable d'attendre de, ensemble discussion sérieuse, surtout si pour la question catastrophe naturelle, prime d'assurance. On a parlé pour faire tout ça matin avec l'ambassadeur Haïti, bon côté CARICOM, Peterson Benjamin Noël, qui a accepté de répondre à la question nous sur tout ça qui pourra le faire dans le cadre de la rencontre. Ça. Ambassadeur Noël, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sous TNH. Bonjour Seigneur, c'est un plaisir pour moi pour participer dans l'émission. Mise au point et qui parle d'une opportunité pour nous faire des mises au point et sur ça qui va dérouler en Haïti et à partir du disons mieux le 26 et 27 février prochain et côté que pays d'Haïti pourra accueillir sacré les sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et c'est pour l'occasion pour nous-mêmes pour nous faire valoir ensemble de points des priorités d'Haïti. Et ensuite accueillir toute région. Alors, comment ça en fait chaque kilo, généralement? Bon, selon les dispositifs traités et chaque ramasse là, chef de l'État a rencontré deux fois par année. Et sommet a fait en fonction d'un pays qui a assuré la présidence là. C'est dans le sens ça que Haïti a su et a accueilli sommet le 26 et 27 février. Et prochaine, et à partir de juin, Jamaïque. Pour aller et assurer la présidence là et prochain sommet à fête à la Jamaïque. Ça, il fait deux fois l'an et dans le pays qui a assuré la présidence là. C'est ça. Maintenant, sommet ça, c'est généralement pour faire qui ça? Bon, un système d'intégration, organisation régionale, il y a un ensemble d'organes qui en donne. Et organes ça, on a rencontré pendant une période de 6 mois et il est toujours bon que ces chefs d'État, qui c'est conférence des chefs d'État, qui c'est instance suprême dans CARICOM qui décide son ensemble de décisions que l'autre organe a fait. L'un parle de organes, par exemple, bien, le Conseil des ministres des Affaires étrangères, le Conseil de la communauté, le Conseil des ministres du commerce et du développement, le Conseil des affaires sociales et du développement, le Conseil des affaires légales, etc. Et toute instance, ça, leur fin réunie pendant les 6 mois. Et ils soumettent rapport, ils soumettent recommandation au bas chef d'État qui réunit eux-mêmes, ils prennent décision soumis. Mm-hmm. En fait, c'est une occasion pour chef d'État et de gouvernement CARICOM de prendre des décisions au niveau régional ou du moins tout débattre des sujets d'actualité. Vous avez dit tout à l'heure, le chef d'État a rencontré deux fois, mais ça veut dire que pendant toute l'année, il n'y a pas gagné des rencontres. Bon, il y aurait eu des rencontres extraordinaires, mais ça va dépendre si il y a urgence, si par exemple, je me rappelle que après. Et passage cyclone Irma et Maria et une conférence en urgence qui était faite et avec l'existence de nouvelles technologies on a tendance aujourd'hui à utiliser les nouvelles technologies pour faire les réunions d'urgence côté que chef d'État n'a pas vraiment besoin de déplacer et non, avec l'aide de la technologie on fait des réunions via vidéoconférence. Ça fait déjà pendant deux fois et depuis septembre 2017. L'autre organe, même, il y a des moments bien déterminés tout pour réunir. L'autre organe réuni et j'aime tout là, il réuni avant et sommet hein, parce que l'étape là qui s'allie, par exemple, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères qui fait qu'elle fait autour de novembre et il y a une réunion des ministres de la communauté qui c'est deuxième organe qui est plus important, il fait en janvier côté qui est responsable des questions commerce. C'est là tout fini, vous voyez une recommandation au chef d'État yo, qui ont même approuvé, sanctionné les décisions que les ministres ont prises. Comment est-ce que vous avez fait? Bon, CARICOM est constitué de 15 États membres, incluant Haïti, plus 5 États associés. Mais qui force CARICOM dans l'IA? Je veux dire, par rapport à l'autre organisation, bon, les journalistes. CARICOM, pas oublié. Pays constitués CARICOM sont ensemble de petits pays, j'en dis. Mais juste bon, si on met tête ensemble, ils sont capables de forcer, ils plus fort. Et c'est dans ce sens-là, leur parler d'importance, leur aller dans l'autre organisation hémisphérique qui est l'OEA.
CARICOM représente un poids important. Sur 34 pays qui membres OEA, CARICOM déjà a environ 15. Ça veut dire qu'au moment des votes, au moment de n'importe quelle décision qu'a faite dans la structure qui est l'OEA, lui représente un poids. OK, on a décidé. Et par exemple, dans le système des Nations Unies, les gens votent qu'a fait tout, etc. Si CARICOM entend pour lui, ça, Jean-Aurélie, il est dans le système, dans en coordination de la politique extérieure, côté qui dit qu'il peut aller supporter une seule cause, un seul pays, une seule activité, qui vient faire que 15 là déjà représenter un gros bagage pour les pays de la CARICOM. Ça veut dire que les regrouper ensemble, ça permet que nous-mêmes, nous parler plus fort et voir nous qu'attendre parce que 15 sur ensemble de pays qui ont participé à la fois dans l'OEA, qui c'est 34, 15 sur 34, ça veut dire beaucoup. Au niveau du système des Nations Unies, ça veut dire beaucoup. Si, par exemple, pour un dossier, un pays qui déjà gagne l'appui de la CARICOM, ça a déjà fait environ 15 ou bien 14 votes si nous retirons Montserrat. On regarde qu'on est Haïti et respect de la CARICOM. Bon, Haïti, je dis à nous pas qu'à vivre en vase clos. Nous obligés d'intégrer nous dans ce qu'a fait dans le monde là. Déjà, la technologie. Pas permettre ou fermer tout. Et nous avons intérêt pour nous prendre des décisions, pour nous intégrer nous davantage. Intégrer nous davantage, ça signifie, c'est participer dans l'activité, c'est participer dans le commerce, c'est faire que Haïtiens, gens, débat fait aujourd'hui, bénéficier pleinement d'ensemble des dispositifs qui gagnent dans le traité Chagoua-Massa. Il y a une là-dedans qui est très important, qui c'est l'articulation des personnes. C'est ensemble de bagages, ça. Nous obligés. Mais si on travaille, qui prend temps, déjà nous prend temps pour nous vivre côté NIA, la prend temps et demande collaboration et support chaque grand monde, chaque institution, secteur privé, le Parlement, l'administration haïtienne, le gouvernement, la présidence, etc., les universités, il faut tout le monde comprendre la question pour nous-mêmes nous profiter de eux. Mais une fois Haïti toujours présent, dans plus l'organisation et dans plus structure, mais nous comptons la boule là, nous pas là vraiment pour nous poser ça nous souhaiter, ça nous voulait. Là effectivement on pas capable c'est de ça comme correct, mais en même temps tout il y a des efforts qu'a fait je dis à pas oublier la coordination de politique extérieure d'un pays, le processus de développement pays pour le qu'a fait bien gain un critère fondamental pour respecter, faut que stabilité là car c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'à coordonner en politique pour dire que moins pour aller là, mais que l'objectif moins fixé, lorsque chaque 2 ans on change de gouvernement, lorsque chaque 3 ans il y a une manifestation, lorsque, etc. C'est-à-dire que ouais que ou pas capable qu'imbé ça. Chaque fois qu'un nouveau ministre qui arrive, chaque fois qu'une nouvelle administration qui arrive, il est toujours soit un questionnement qu'il fait, ou bien l'un à poursuivre activité ou du moins et ensemble d'activités que ancien ministre là ou bien ancienne administration a réglé. Ça veut dire que la toujours paraît difficile lorsque nous-mêmes une des bagailles qui caractérise pays là c'est en forme de stabilité politique. C'est-à-dire que le jour que nous résout problème ça, on a privé dans une situation côté que ou capable d'une meilleure coordination de politique extérieure. Un bon exemple et un dossier qui est très, très, très important pour l'administration, d'abord l'administration Matéli et l'administration Moïse, là, qui c'est une négociation de tarifs consolidés au niveau de l'OMC. C'est un dossier que nous avons initié en 2012, même Abdou, jusqu'à aujourd'hui, nous avons négocié, ça veut dire 5 ans après, nous avons négocié. Et une raison qui fait qu'une pas fini négociation au niveau de l'OMC, c'est d'abord l'instabilité politique, parce qu'il y avait une cassure. En février 2016, avec l'arrivée de Justin Privé, qui n'a pas vraiment baissé ça comme priorité, et le dossier a été à l'État dormant pendant pratiquement un an et demi, et il a fallu le retour de l'équipe de PHTK, l'arrivée du président Jovenel Moïse, qui fait nous relancer le dossier. C'est-à-dire que, imaginons, on doit que tu as dû négocier en 1 an, 2 ans, 3 ans, et jusqu'à aujourd'hui, nous en cours de négociation. Et une raison, pardon, qui explique où tu as ça, c'est surtout l'instabilité politique qui nous a dit qu'il y a un petit qui ça ne porte concrètement dans le marché comme le Caraïbe, je dis à l'ambassadeur? Et ça ne porte concrètement. Nous avons reposé la question à l'autre. Pour les gens qui connaissent le pays Caraïbe, pour les gens qui connaissent le Caraïbe qui s'allie, pays CARICOM sont ensemble de petits pays et qui caractérisent, toujours aimé définir comme ça, et en anglais, sun, qui signifie sable, sun, qui signifie soleil, et si, qui signifie la mer.
C'est-à-dire, la majorité des pays, ça a eu trois bagailles. La mer, sable, soleil. Et qui dit la mer, sable, soleil, qui définit tourisme. Et qui signifie tourisme, ça veut dire que c'est des mouns qui sont appelés à consommer. Puisque vous n'avez pas produit, vous n'avez appelé à consommer. Ça veut dire que moi-même, moi toujours dit que aujourd'hui, là, CARICOM, et si nous regardons vers l'Est, CARICOM, vous présentez une opportunité pour nos zones d'affaires, une opportunité si nous-mêmes nous décidons d'organiser d'abord, finir avec cette question d'instabilité politique chronique, qui pourra agir positivement sur l'économie, fait que l'entrepreneur est capable de voir l'opportunité mieux pour être capable de profiter de lui. Parce qu'un pays qui gagne seulement soleil, la mer, et sable, elle dit qu'il dédie tout ça pour le faire dans le tourisme, ça veut dire pas dans la production. Haïti, avec diversité qu'on gagne, hein, un minimum d'organisation, un minimum d'instabilité, le support de l'État, le support et du système financier, nous capables de profiter de ce système. Mais même Abdou, déjà, il y a des entreprises haïtiennes qui déjà exploité et qui déjà exporté vers les pays de la CARICOM, mais parce que nous avons des retards au niveau de la mise en œuvre de certaines dispositions, nous avons fait que nous sommes beaucoup capables de participer pleinement. Mais le secteur privé, très intéressé, et c'est dans ce sens que ce vendredi à l'hôtel Marriott, nous avons organisé une causerie sur l'intégration, hein, côté que nous avons une opportunité pour tout le monde qui est dans la gestion de dossier, venir pour parler à toute conscience, identifier les problèmes, et ensuite, en présence des parlementaires que nous-mêmes avons invités, en présence des gens de la société civile, pour que tout le monde puisse être conscient que, je dis à la, pour nous développer Haïti, il faut que nous ayons ce qu'a fait dehors. Et l'infini, nous ayons ce qu'a fait dehors, il faut profiter de nous. Profiter de eux, c'est produit pour vendre. Parce que déjà, niveau de revenu, moun sa yo, pi élevé passé nous. Capacité pour acheter bien que nous avons pour nous produire en Haïti, à jour décider de faire bien, moun sa yo déjà prêt pour acheter. Mais nous avons des dispositions pour nous prendre la caille et l'on va faire c'est là au bénéfice de tout le monde, au bénéfice de la nation haïtienne. Et qui ça nous joue en retour? Parce que au fait, il y a un gros problème. Chaque fois que de CARICOM qui vient, c'est une question de circulation. Il dit à la, l'autre pays est capable de faire entre eux, mais pour Haïti, il y a des restrictions toujours. Parlant de restrictions, oui, c'est vrai, c'est en réalité, mais faut ne pas verser non, en sorte de facilité. Vous dire ok, nous avons des circulations, il faut que nous ayons Haïti des circulations. Il est toujours bon pour nous faire une historique de questions. Ça ne pas oublier que les 14 pays membres de la CARICOM, on retire les 13 Suriname avec Haïti. Ce sont des anciennes colonies britanniques. Déjà avant leur indépendance en 1950, ils étaient déjà gagnés, sacrés la Fédération des Indes occidentales. C'est-à-dire, Fédération des Indes, ça, c'est l'ensemble des colonies britanniques qui étaient dans la zone Caraïbe là. Et puisque c'est des colonies britanniques, ils n'ont pas besoin de visa pour au monde sorti Jamaïque, pour aller Trinidad, pour aller Barbade, pour aller n'importe quel pays. Maintenant, avec le processus d'indépendance, tout pays a érigé frontières, mais ils ont même d'accord, laissant beaucoup même dans CARICOM, ils ont d'accord que pendant l'érigé frontières, nous ne pouvons pas mettre visa pour nous. Et pas oublier tout en même temps, dans le système du Commonwealth, les anciennes colonies britanniques, ils ont même entre eux, ils ont des dispositifs qui ont mis entre eux pour pas un visa. Et parce qu'on peut regarder pile pays dans CARICOM qui rentrent en Angleterre sans visa, qui allait en Australie sans visa. Mais par contre, il y a l'autre pays tout pas qu'à aller. Ça veut dire que en dans Commonwealth là, il y a déjà un système d'élimination de visa ça. Maintenant l'autre prend toute structure ça, il y a une créer ça que l'organisation et qui le CARICOM là, ensemble de valeurs ça qui ont été gagné bien avant l'indépendance là, il y a qu'un bel pour eux. Qu'on y a là, il y a même il fait d'autres questions. Mais Mabdou bien je dis à là, gain à cause de situation politique, situation économique. Il y a des problèmes Jamaïque avec Trinidad, Guyana avec Barbade, qui a essayé de temps en temps de bloquer Guyanais, bloquer et Trinidadiens et Jamaïcains, etc. Mais dans le cas d'Haïti, oui, le traité a dit pas de discrimination, mais nous tous sommes d'accord, la façon que la situation économique d'Haïti vient faire que l'ensemble de pays ne veulent appliquer le dispositif. Ça. Et ce que ça fait, c'est wall nous. Non seulement pour une bataille diplomatique, moi-même, mon ministre des Affaires étrangères, pour une bataille pour que ça arrive, mais il faut toute la société à faire travail et tout. Parce que l'image que nous projetons
dans le pays en désordre. L'image que nous projetons, c'est pauvreté nous projetons. Les papes encouragent en quel pays rentrer en négociation pour d'accord pour éliminer visa. Mais en attendant, il y a une disposition que nous prenons qui pour favoriser une certaine catégorie dans la société. Premièrement, c'est faciliter pour que les diplomates, les officiels détenteurs de passeports diplomatiques et officiels pour qu'ils circulent dans la région sans visa. Mais juste ça déjà mis en œuvre, il y a une ou deux pays qui sont anti réticents et nous pensons que dans le sommet qui a fait 26-27 là, c'est une possibilité pour nous confirmer et résoudre le problème. Deuxième mesure là, c'est tout haïtien qui est détenteur de passeport diplomatique et passeport et qui est détenteur de visa américain, Schengen ou canadien pour que vous fassiez même bien avec la République dominicaine pour que le monde soit circulé sans problème. Il y a un ensemble de pays qui est avancé, qui est mis en œuvre déjà. Dans le sommet, à partir de lundi, c'est un point qui parle à l'ordre du jour et Haïti pour assurer que la partie ça résoudre. Maintenant, l'autre aspect pour la libre circulation globale, maintenant il faut faire la différence également. Il y a la libre circulation des personnes, il y a la libre circulation des personnes qualifiées. Dans le traité, pour CARICOM, le plus parler de libre circulation des personnes qualifiées. Libre circulation des personnes tout court là, il y a presque quitté le géré par le pays. OK, mais libre circulation des personnes dans les grands systèmes qui ont mis en place qui gérer à entre état et état. Par exemple, ou même qui journaliste, moi-même qui économiste et monsieur qui technicien, caméraman etc., nous tomber automatiquement dans la catégorie de personnes qualifiées. Ou à l'école, ou pour un diplôme, ou exercer son métier. Et il revient au ministère des Affaires étrangères de chaque pays ça pour émettre ça que un certificat de compétence. Et avec certificat de compétence, ça, pour les gens qui habitent à voyager dans le pays CARICOM, c'est les mêmes qui remplacent automatiquement ça crée les certificats de travail. Qui vient faire que, jour que nous prêts pour nous mettre dispositif ça, un haïtien qui qualifie, qui a un certificat de compétence, li, capable de travailler Trinidad, capable de travailler Jamaïque, sans que il pas besoin de un sacré permis de travail. L'addition bah, est compliquée, mais il y a un problème pour nous résoudre d'abord. C'est notre instabilité politique. Deuxièmement, il faut que nous commençons à faire économie passer avant toute bagaille. Est-ce que le constat pour tout notre pays yo? Parce que la préoccupation que nous avons exprimée, c'est que dit notre pays, yo, M. Damien Attenio, pour que vous voyagez, même si vous expliquez question fait et ancienne colonie britannique, yo, nous comprenons. Mais pour que ça, chaque fois que vous êtes sur Haïti, vous mettez à la niveau côté, il y a fait des exigences pendant que nous plus un travail comme ça. Non, mais. La question migratoire, comme si décision pour prendre la question immigration, chaque pays a une loi pour prendre une décision. Pour. Mais pas oublier, moi, je dis que ce n'est pas une décision que vous prenez parce que vous parlez de Haïti. Vous prenez une décision parce que nous-mêmes, nous façon que nous gérons le pays, nous fait que l'haïtien ne vient pas vraiment respecter sur le plan international. C'est-à-dire que lorsque vous-même, niveau de pauvreté, ça, l'instabilité politique. Parce que nous, ça fait 30 dernières années, nous sommes haïtiens, nous connaissons. Chaque semaine, nous avons un problème, chaque semaine, nous avons une manifestation, un boulet de caoutchouc, etc. Ça envoie des images. Et l'impact, premier impact là qui s'allie, c'est des jeunes, c'est des professionnels qui prennent valise qui quittent le pays. Nous, ça a passé pour Chili, nous, ça a passé pour, disons, Chili et les pays de l'Amérique latine, il y a certains dans Bahamas, Texas, pays de la Caraïbe, qui recevaient en pile monde. Et une première cause, à l'époque des Duvalier, c'était surtout la persécution politique, mais depuis le départ des Duvalier en 1986 et jusqu'à date, ce n'est pas la persécution politique, c'est surtout la crise économique. Aujourd'hui, si nous voulons résoudre le problème migratoire là, pour que Haïtiens soient capables de rentrer dans des pays, surtout les pays de la CARICOM sans visa, il faut d'abord résoudre les problèmes économiques. Il faut créer des jobs, il faut créer des entreprises pour que Haïtiens lui-même soient respectés dans le pays. Tout le temps pour qu'on fait ça, il n'est pas capable de prendre au sérieux parce que nous avons négocié un bagage et réalité après le battement. Est-ce que vous allez pour tout le pays? Vous allez pour tout le pays, même si vous non, moi, je n'ai pas besoin de retourner sur l'histoire et ouais, la ouais. Fédération des Indes occidentales. Même qu'à dire que, dans le cas, un cas qui est récemment passé, côté que un citoyen jamaïque, Rivière Babad, et le gouvernement Babad, là, ben, le service immigration Babad, décidé, et Kembel, pendant 6 heures de temps d'immigration, questionner, poser les questions, etc. Ensuite, il est retourné dans le pays. Elle dit, on déporte le même jour dans le même avion ou dans le prochain vol qui prend la Jamaïque. Ça a été reproché.
Yo pas reproché dans rien. Juste parce que je dis qu'il n'y a pas d'adresse côté le bralé, etc. Ensemble de questions fantaisistes. Mais maintenant, intelligente que lié, une fois qu'il retourne à la Kaili, il portait plainte dans le ministère des Affaires étrangères. Et le ministère des Affaires étrangères de la Jamaïque portait dossier au niveau de la Cour caribéenne de justice. Et elle a eu gain de cause. Et le gouvernement de Barbade-là a dédommagé pour ça. Et fait que yo ballon l'aide d'excuses. Et vous permettre que les capables de retourner à Barbade n'importe qui laisse en visa. C'est des situations qui a fait actuellement. Parce que, il y a des crises économiques en Guyane. Je parle de Guyana, pas Guyane française. Il y a une crise économique dans certaines îles de Caraïbes de l'Est ou la Jamaïque. Et ça vient faire que, au grand ensemble de Jamaïcains qui ont traversé pour le travail Barbade, pour le travail et Bahamas, pour le travail Trinidad, qui vient faire que parfois l'autorité immigration toujours à veiller pour est-ce que moun sont retourné. Parce que moun qui gen doit arrêter, même lorsque yon gen histoire et Fédération des Indes là, mais moun qui gen doit arrêter pour travail, c'est moun qui gen un certificat de compétence qui est le skill certificate en anglais. C'est-à-dire automatiquement gen, n'importe qui moun capable d'employer sans problème. Ça veut dire que Jamdou là, premier bagay pour nous faire, après stabilité politique là pour nous résoudre là, bien que moi elle commence à résoudre parce que n'a pas travaillé pour ça. L'autre aspect c'est l'économie. Il faut créer des emplois, l'en créer job, faut nous voir vendre et pour nous voir vendre, pas qu'à dire prend bien seulement pour pas prendre monde, il y a prend monde, mais c'est pas monde qui pas qualifié, c'est des monde qui compétent et laisse à tout pas bien des raisons d'être. Pour que on ait risqué vous soit dans votre people ou mais alchita passer misère dans le pays pendant que dans pays où gain job. Parfait. On regarde pour réunion lundi à Madia, 29e réunion intersessionnelle, conférence chef d'état chef gouvernement CARICOM en Haïti, pour qui ça est thème qui choisit assez sous question et catastrophe et assurance bon, et slogan c'est One Caribbean et thème dans les choisi et un parce que et le président de la République il a une certaine sensibilité pour sacrer les infrastructures, pour sacrer les gestions de l'environnement. D'ailleurs, déjà, où elle, il faut qu'elle a fait et dans la caravane pour que les protéger l'environnement et dans le centre côté a préparé et pépinière pour planter du bois. Ça veut dire que rêve par président et pour 4 prochaines années, c'est fait que Haïti retrouve une certaine couverture végétale. Et qui dit couverture végétale, ça veut dire qu'on va réduire la quantité de gaz carbonique qu'on émet ou bien qu'on absorbe tout parce que qui boit si on a ça le fait et ensuite réduit et réduit risque de catastrophe naturelle ou du moins aux effets des changements climatiques. Ça c'est une priorité que le président va aller. Et l'Elfine dit ça lui-même déjà à l'échelle nationale, il dit bon, mais c'est pratiquement la même situation au niveau de la région. Et déjà en une semaine en septembre dernier, région connaît 4 ouragan de catégorie 4 et il y a 2 qui est passé dans catégorie 5 et c'est des bagages qui par exemple fait pratiquement depuis 100 ans. Ça dit que aujourd'hui il y a un mouvement qui a fait au niveau régional et dans la région et qui fait que il y a un changement qui a fait au niveau de cyclones, de ensemble de catastrophes naturelles. Mais il y en a encore qui a dit que la région caribéenne l'exposée au cyclone. Vle ou pas capable pas cyclone n'a passé quand même et nous exposer aux failles sismiques tremblement de terre qui me fait que le président a dit bon pour qui ça que nous pas mettre tête nous ensemble pour que nous dit que nous gagnons un plan d'assurance et plan d'assurance ça qui ça le dit il dit que lorsque on a une situation de catastrophe naturelle tant que j'en te prends là 2010 ou du moins Jean la Dominique était pratiquement détruit en 2017 côté que le processus, les premières actions de reconstruction, pour que c'est vous-même qui faites, au lieu qu'on attende l'aide et le support de la communauté internationale. C'est-à-dire que sous mon plan d'assurance, on dit un montant 200-300 millions de dollars américains, ou frappé par catastrophe naturelle là, ça amplement suffisant pour qu'on commence route, recommencer construire route, recommencer construire pont, recommencer construire et l'école, qui fait que on pas nécessairement besoin d'attendre le support de la communauté internationale. Mm-hmm. Et récemment, on a eu le cyclone Mathieu en 2016, qui détruit une bonne partie dans le département, dans le Grand Sud, si on dit comme ça. Et maintenant, on est estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Et Mabdjou,
nous recevoir comme une prime d'assurance de un système au niveau de Caraïbes là, qui est le CRIF, nous recevoir 23 millions de dollars américains. De pays, dans la région. Non. Ça veut dire que le système a déjà existé, mais il n'est pas capitalisé. C'est que Haïti te recevoir 23 millions de dollars américains. Okay. Mais Mabdou, 23 millions de dollars américains, on n'a pas gagné un cafard. Et, information que je on bon parti dans le COPSA, tu dépensé dans l'effort pour porter réponse à la population. Pour payer machine, pour porter manger, pour bailler de l'eau, etc. Ça veut dire que partie réponse là prend plus fort comme là et la partie reconstruction l'était laissé pour compte et le plus souvent c'est même situation, c'est même bagarre qui passe la Dominique, c'est même bagarre qui passe Antigua, ils ont tout obligé à faire des conférences de donateurs, conférences côté chaque pays vient dire à ba anti-comme jusqu'à ce pour commencer reconstruction. Président dit on garde un bail inclusif pour nous dans quelle mesure vous nous mettre un plan d'assurance qui vous permette que nous lancer le processus de reconstruction de par nous-mêmes. Mais il y a d'autres points dans l'agenda et qui capable intéresser. Mais est-ce que quand ça l'ambassadeur nous il fait suite à participation président non et à Oumblé que tu fait en France côté sous initiative président Emmanuel Macron pour nous faire et suivi COP 21. Est-ce que c'est dans la même ligne ça rencontre lundi à Madia inscrit. Non mais j'aime d'où là. Pas oublier, bien avant ça, président était déjà baillé tête, les priorités ça. Priorité président baillé avec San Diego Temikyo, centre pour faire. Gémoplation, pardon. Et avec tout travail que l'a fait pour renforcer Belge, protéger l'environnement, il y a déjà une sensibilité ça. Vigne joindre avec sommet One Planet là qui était fait à Paris, côté des engagements, le monde entier prend des engagements pour changer comportement en matière environnementale, ça vient renforcer. Et puisque Haïti c'est un pays qui était là dans le sommet, pas qu'une raison pour que nous ne continuions pas à pousser. Mais Mabdou bien, une initiative pareille, 6 mois trop petit pour pousser. Et ça fait nous faire en priorité et nous assurer que nous jouons le plus d'États membres qui supportent pour que le prochain pays pour l'assurer, président cela, pour qu'il kembel comme en priorité. Parce que la région, le problème de catastrophe naturelle, le problème environnemental, oui, on est beaucoup plus exposé que les autres pays, mais tout pays est concerné. En question d'assurance, les pas en question d'Haïti, en question jamaïcaine, en question Barbade, en question n'importe qui pays. Parce que quel que soit niveau de développement, quel que soit niveau et pays beau, ou pour un cyclone de catégorie 5, les cas mettent l'économie à genoux. Ça t'est arrivé Barbade avec cyclone Irvin, ça t'est arrivé et Grenade avec cyclone George. Ça autour vous il vient dans situation ça côté que on économique à genoux suite à une catastrophe naturelle et il faut qu'on mette des systèmes de protection qui permettent que le processus de relève là fait beaucoup plus facile. Là maintenant après discussion qu'on a fait avec le chef d'état, chef gouvernement yo, ce qui ça président attend que vous mettez au d'accord dans faire sommet. Bon, j'en t'explique là et chef l'état yo dans sommet ça yo c'est approuver des décisions, des questions qui étaient déjà discutées. Moi-même, personnellement, moi, j'ai participé à la fois dans la réunion des ambassadeurs de la CARICOM, j'ai participé dans le conseil de la communauté, côté un ensemble de points d'agenda ça là, qui déjà débattent, pays déjà par position sous lui, et chef de l'État qui pour approuver, pour dire oui ou pas. Ok, c'est des points parce que dans la diplomatie, en pile fois, le sommet, ou bien la grande réunion, le fait pour qu'on bénisse ça que tu as fait déjà. C'est-à-dire, okay. Ensemble des décisions, c'est des décisions. Préparatoire qui fait déjà. Préparatoire qui fait. Et il y a un homme de. Puisqu'on en 2012. Si je bien comprends, nous déjà, ensemble de pays, déjà mettre d'accord sur logique et assurance pour pays dans la région par rapport à catastrophe naturelle. Oui, c'est ça qui fait que CEDEMA, qui est le système qui gère la catastrophe naturelle, là, il a rentré d'ici et samedi. Le CRIF a rentré, il y a un ensemble d'experts dans le domaine ça qui a rentré. Mais j'aime dire non, ça n'est pas nécessairement que nous prenons sortir une grosse décision pour mettre le système dans là. Nous conscientiser tout le monde et tout le pays dans la région, d'accord, je dis à là, nous pas qu'à fonctionner sans que nous parlons un système de protection. Parce que catastrophe là, et risque là, les là, et pas rien qu'à retirer. Seul ça qu'on fait, c'est protéger. Pour nous protéger tête, non, c'est ensemble de mesures pour nous prendre, à part mesures pour renforcer l'environnement, mais il faut chercher des mesures tout pour que nous gagnions une fois que nous affectés, pour que nous commencions à faire des pensions au lieu qu'on attend la communauté internationale. Et d'autant plus, aujourd'hui, le comportement des bailleurs traditionnels a changé et pays pauvres,
pays qui manque de revenus, donc en Haïti, ils recevront de moins en moins d'aide chaque année comparativement à ça de conjoint. Qu'est-ce qu'on va financer font ça? C'est pays région? Et pays région, c'est ça qui fait une discussion pour faire, pour nous voir comment ça fait. Gain des fonds dans le cadre du changement climatique pour une planète, gain plus de 3 milliards de dollars américains qui sont disponibles et pour la région caribéenne, ou ensemble de financements que nous avons identifiés. Maintenant, ce ne sera pas une initiative individuelle d'Haïti, mais son initiative collective, mais qui pourrait le faire sous le leadership d'Haïti. Il faut chaque pays vienne dire que, mais comment pour nous faire, et le possible de nous chiter avec d'autres instances comme la Banque mondiale et la BID, etc., pour nous voir dans quelle mesure pour nous capables de travailler pour nous mettre le système. Parce que ce sont des choses assez complexes, mais il y a des pays, ou après tout grand pays, tout pays qui arrive à un certain niveau, obligé de protéger tête face à la catastrophe naturelle. Quel autre point qui a été agenda ambassadeur? Ah, il y a plusieurs points. Il y a pour Haïti, et qui concerne Haïti directement, et il y a une question de circulation des personnes dans nos élaborés sur les déjà. Et il y a une question de finalisation de mise en œuvre et français à Nakari comme là, parce que nous n'étions pas ces premières étapes là d'accord. D'ailleurs, le président, lors de la réunion, comme c'était le cas en 2013 et jusqu'à date, li pral parler français a gagné un système de traduction simultanée. Ça c'est une avancée et il faut le faire parce que pour le moment c'est Haïti qui supporte les charges de ce service. Ça veut dire que nous pral prendre des mesures pour que li répartit équitablement ou du moins en fonction de contribution. Il y a un autre point encore à part de la question de catastrophe naturelle, il y a un point qui est important qui c'est la sécurité au niveau régional. Crime et sécurité. Crime, nous tous d'accord, nous connaissons ça, des informations qui circulent au niveau régional. Niveau d'homicide dans la région très élevé. Et m'a dit bien, Haïti pas parmi les premiers pays qui gagne taux d'homicide qui plus élevé dans la région. Pays qui gagne le plus élevé, malgré qu'il y a 3 millions d'habitants, c'est la Jamaïque. Non, 2,5 millions d'habitants, c'est la Jamaïque. Il y a un taux très élevé. Haïti vient pratiquement en 5e ou presque en 10e position, l'on a regardé les statistiques régionales. C'est-à-dire que le pays. Ça, on a bien plus dans la région, selon oui, mais ça ramène. Mais pendant que nous-mêmes, nous avons dit Haïti a tout problème, le pays a lui-même son problème lié. Parce que puisque il vient un problème de sécurité, dès qu'on parle de crimes dans un pays qui est basé sur le tourisme, a dit qu'on a affecté le moteur économique. C'est ça qui fait crime et sécurité. Pral un point fondamental et qui pral discuter en caucus parce que caucus ça c'est à huis clos, c'est chef d'état plus un qui a plat et question ça n'a pas vraiment quitté ouvri à tout délégué qui pour tendre. Et à part ça, on parle de sécurité, on parle de mise en œuvre CSMA et notamment et la question de l'hypsiculation et des personnes et il y a d'autres éléments tant que et l'agissement de la communauté. Par exemple, il y a des pays, il y a des territoires hollandais et français qui font des applications. Nous rappelons un débat qui était fait en Haïti lorsque le président Jovenel Moïse s'est dit qu'il pourrait le supporter pour que Martinique Guadeloupe intègre CARICOM. Effectivement, grande demande qui était faite depuis 2011-2012, côté que ces territoires et d'outre-mer et de la France, ils étaient soumis en application et jusqu'à date communauté anti-gens réticent. Et lors de réunion communauté qui est conseil de la communauté, Haïti te dit que faut communauté a initié des discussions avec Montreal directement au lieu que nous suspendre marronnage là, discuter avec directement pour nous dire que qui ça est prêt pour venir offrir communauté et qui ça nous prêt pour nous bailler tout. Et d'une décision qui pourrait prendre, c'est que c'est pour permettre que pays ça pour initier des discussions sérieuses avec eux pour que eux-mêmes nous envisager comment être capable d'intégrer communautaire. En gros, c'est ensemble de points ça qui est plus important que l'autre, c'est ça que nous pourrons discuter et pendant ce sommet. Client ça va le passer, a gagner des ateliers de travail, des conférences de presse et des discussions ouvertes à la presse, comment ça va aller? Bon, pour sommet réunion intersessionnelle, on veut sommet chef d'État, les comme il fait dans tout dans le système international, c'est bon bagage qui j'aime ouvrir à la presse. Et maintenant, étant donné que Haïti a reçu voile et Haïti qui préside CARICOM, et nous connaissons tout handicap que nous avons dans le processus d'intégration, le gouvernement a décidé, via le ministère du Commerce, pour organiser un causerie. Causerie, ça pourrait permettre que les habits officiels qui sont là,
officiel lui a fait discours, etc. Mais en deuxième partie, il y a bien des techniciens haïtiens et des techniciens qui peut-être qui capable sortir dans la région qui pourraient parler du processus d'intégration en lui-même et pour permettre que chaque monde comprenne. Maintenant, et ça a fait vendredi, lundi, jusqu'à la cérémonie d'ouverture qui a commencé à l'hôtel Marriott à partir de 9h et qui a bien un ensemble de discours qui c'est la partie officielle, discours du secrétaire général, discours du président sortant qui c'est le premier ministre de la Grenade et discours du président et Jovenel Moïse. Et après ça, la presse a bien invité pour le sortir pour qu'il initie une réunion en plénière et faire des discussions. Et le lendemain, et c'est pratiquement une invitation nous fait et déjà à la presse, à une conférence de presse tout de suite après sommet. Pourquoi qu'on baille le, mais vraisemblablement le cas fait après 5h ou après 5h30, lorsque le chef d'État a fini et délibéré sur différents points. Et dans, lors de conférence de presse, le président de la République là, accompagné le premier ministre, prochain président de la CARICOM, qui est le premier ministre Jamaïque et secrétaire général là, il a pris une conférence de presse côté que pour expliquer qui s'est sorti pendant 2 jours de réunion. Mais pendant parler de ça, parce que. C'est la résolution de Port-au-Prince. Il n'y a pas eu les résolutions de Port-au-Prince, mais c'est en forme de communiqué. Il n'y a pas de nom de ville. Il y a eu les résolutions de résolution de ville. C'est peut-être soit parler d'un sujet spécifique. Okay. Par exemple, on a eu la déclaration de Pétionville sur le handicap. Et en 2014, nous avons fait une activité comme ça. Avec le secrétaire d'État et pour personnes handicapées, de faire ça que les déclarations de Pétionville sur le handicap. Maintenant, pour sommet, puisque le touche plusieurs aspects, il n'y a pas réglé de déclaration, mais c'est juste un communiqué qui dit l'ensemble des décisions. Mais ça, c'est l'aspect journalistique là, comme on est média, mais il y a une barrière, on a parlé avec la population hein, pour nous dire que pas y a des changements qui ont fait au niveau de comportement. Yo. Parce que, nous avons une chance à Nessa, en 2018, pour le pays d'Haïti recevoir environ 15 chefs d'État et de gouvernement, ministres des Affaires étrangères, qui ont sorti dans toute région, hein, environ 150 délégués étrangers. Au niveau de sécurité, il y a des dispositifs qui peuvent le prendre, il y a des routes qui peuvent le bloquer, il y a des routes de circulation qui peuvent le réduire. Ça veut dire qu'on a invité la population, il y a des changements qui peuvent le gagner. La police nationale, et le comité qui a organisé le sommet, dès vendredi, pour faire une conférence de presse dans le ministère de la Communication, pour le dire que maintenant qu'il tranche de côté que la circulation pour le réduire, maintenant qu'il tranche de côté que il y a des routes, il y a des parcours qui pourra le bloquer, pour que la population lui-même soit capable d'ajuster le comportement pour que nous-mêmes nous soyons capables de vaquer l'activité. C'est pour aller plus bonheur ou bien pour sortir un peu plus tard. Ça, c'est ensemble des dispositions que la police déjà prend. Et nous pourrons informer la population via une conférence de presse qui a faite vendredi prochain. Qu'est-ce que ça coûte Haïti pour l'organiser un sommet comme ça? Écoute, la question de visibilité. Ou en Haïti, à chaque fois que vous parlez de COB, c'est tout le monde chaud. La question de visibilité pour un pays, la question d'image en pays n'a pas de prix. Mais pour cette activité, et nous essayons d'envisager un budget qui allait autour de 40 millions de gouttes. Mais aller en détail, qui parce que le chef d'État est revenu, de même tous les présidents par nous. Non, c'est nous pour gérer tout espace, les salles de réunion. En Haïti, ça a un coût. Les chers, lorsque pour louer et au moins 5 salles de réunion, etc. Selon la pratique internationale, lorsqu'on va recevoir l'autre chef d'État, c'est vous prendre en charge. Avec tout chef d'État, c'est nous qui prenons en charge. Caper l'hôtel, manger. Cependant, les délégués, c'est vous qui prenons en charge. Parce que nous toujours à courir, nous allons dépenser quoi, mais on prend peut-être nous pas faire débat ça, nous pas parler de lui et on grande réunion qui est faite en décembre là, qui c'est la réunion ACP et réunion et ACP et l'Union européenne. Tu as environ 500 délégués qui t'es venu. Haïti t'es pris en charge seulement pour en vingtaine. C'est-à-dire qu'on imagine près de 400 délégués pendant 10 jours. Et qui a payé des chambres d'hôtel qui variaient entre 100 et 200 dollars américains. C'est-à-dire que si on avait fait un calcul vague, ou que 500 délégués multipliés par 200 par jour que chaque hôtel en Haïti fait. Oui, nous allons le dépenser parce qu'il faut qu'on nourrit les gens,
faut au pays chambre d'hôtel pour yo, faut si n'pa gen véhicule, faut nous obligé louer véhicule yo, nous gen des dispositifs pour prendre, gen des dépenses qui pour faire qui nous fait que en retour l'autre 110 délégués ça, c'est eux même qui pourra payer hôtel yo directement. Ça veut dire que un mouvement l'argent qui a fait et ça plus important, c'est pas l'argent, c'est surtout la visibilité. Parce que une fois que ou déplacer, c'est pas donné à tout, c'est pas donné à tout pays pour que d'un coup pour recevoir on dizaine de chefs d'État et de gouvernement dans le pays. Ça veut dire un niveau en image qui dit que au bon niveau de sécurité qui est appréciable parce que c'est pas n'importe quel pays qui a fait. Et deuxièmement, notre capacité d'accueil commence à améliorer parce que au niveau d'hôtel, au niveau des chambres d'hôtel, comparativement à la période de 2010-2011, je dis à nous avons plus espace pour le capable accueillir Mounio convenablement. Vous retombez au pral qui ça au fait de l'ambassade de Noël? Et il y a un bagage pour nous toujours mettre en tête. Les retombées en développement et en diplomatie, c'est des bagages de qui lent. Ou pas qu'à dire qu'au fond sommet aujourd'hui, ou pas retomber à demain. C'est-à-dire que nous avons un business acheter revendre. C'est là un business acheter revendre pour faire. C'est-à-dire que au fond sommet, un, il y a un premier impact direct que le cas gagne rapide, c'est sur question visibilité, parce que pendant 2 jours, ça ou bien pendant 3 jours, que focus après sur Haïti, tout pays, tout nationaux, dans le cas, comme nous connaissons, que président pays, le premier ministre pays, pas là, il y en Haïti. C'est-à-dire qu'il y a un focus qui a mis sur Haïti. Au niveau de la visibilité, oui, il y a une visibilité directe, mais en termes de retombée économique, retombée sociale, retombée, c'est les bagages qu'on parle après, et faut qu'on ait ensemble de suivi qui pour faire. C'est à partir de là pour capable ouais qui impact. Parce que nous-mêmes nous anti gens pressés, bah on connaît, mais parce que l'homme ministre fait étranger signe un accord sur bourse. C'est pas juste signe à étudiant aller. Ça dit que ça prend temps, faut sélectionner étudiant, faut qu'on prépare accueil etc. Et ça qu'a prend 1 an, 2 ans pour commencer ouais résultat effort côté faire. Je dis à la si Haïti pas intégré CARICOM, nous pas présidé CARICOM en 2013, nous pas présidé CARICOM en 2018, dans la parlé de visibilité, dans la parlé de accueil. C'est deuxième fois dans l'histoire pays là, n'a pas recevoir autant de chefs d'État de la CARICOM. Ça veut dire que nous pas qu'on fait l'avant. Ça veut dire c'est parce que nous t'es pour une décision politique dans la diplomatie pour t'y intégrer qui fait que nous fait ça. Et nous obligé tant de 10 ans, 8 ans, 10 ans pour nous commencer well. Ça dit en diplomatie tout comme en développement, et retomber ou pas nécessairement rapide. Ah, dans ce moment-là, vous parlez de dans le secteur privé qui a bien participé dans la cause. Est-ce que nous associons par exemple l'université de l'autre? Oui, mais même en pile fois, je ne parle pas vraiment dissocié. C'est que je parle de société civile. Okay. Nous avons invité la société civile en général, mais avec nous baillons plus intérêt sous secteur privé, parce que dès qu'on parle d'intégration, on parle d'entreprise, on parle du secteur privé. Parfait. Et là, le thème, c'est sous catastrophe et naturelle. One Caribbean. Mm-hmm. C'est slogan. Mm-hmm. Slogan et pour 2 jours et semaine ça, lundi 26, mardi 27 février. Et très certainement, Télévision Nationale d'Haïti pour aller en direct. Pour nous vivre les temps forts de ce sommet. C'est avec plaisir. Oui, et puis garder avec les participants, et ça cap dit, qui j'ai pour aller des régions, oui, qui j'ai pour aller de nous-mêmes particulièrement à Haïti, puisque l'ambassadeur nous a souligné à côté de les questions catastrophes assurances, mais questions langue n'a pas abordé, questions libre circulation qu'on est qui fait objet d'un pile discussion dans le pays à tout pour l'aborder. Ambassadeur Noël, qui s'en baguette à dire, puisque nous vivons dans votre bon, n'a pas dit, c'est m'obliger à répéter, et c'est au niveau de comportement population. J'en te fait en 2015 lorsque Haïti te recevoir sacré les carré festa et feedback que nous recevoir de pays carré comme qui dit que c'est une carré festa qui pi bien passé que par ham participer. Même j'en tout n'a pas attendre que population bien comportée, bien accueilli moun yo. Nous gagne des efforts, nous connaissons un problème d'assainissement sévère. Mais lorsque l'État a fait effort pour nettoyer à terre côté des délégations pour le passé, nous demandons aux populations pour plus ou moins essayer de changer de comportement pour non seulement collaborer avec l'autorité pour permettre que la zone soit propre, mais pour très vigilant par rapport à la sécurité parce que il y a des blocus, il y a des bouchons,
malheureusement m'obliger dire, mais ça qui est plus important, faut qu'on informe pour qu'on ait que dans telle heure pour pas essayer de prendre ça, ou du moins si vous prenez, faut passer un peu plus tôt parce que il y a des dispositions qui pourraient le faire. Là, nous dit que nous déjà n'a dit délégation bienvenue, déjà gain cap vini à partir de cap commencer arriver depuis jeudi à, et demain et le grand groupe la privée et à partir de dimanche. Et le président de la République là qui pour l'organiser un grand cocktail de bienvenue pour tout chef d'État et de gouvernement qui vient pour participer à la réunion. En gros, c'est ça, population haïtienne d'après, et nous souhaitons une collaboration tout chaque grain haïtien pour succès au Messa. Succès au Messa, c'est succès Haïti, c'est succès tout haïtien. Voilà, ambassadeur Peterson Benjamin Noël, c'est ambassadeur Haïti auprès de la CARICOM, c'est avec une défaite mise au point sous sommet. Deux jours, Haïti a accueilli sommet chef d'État, chef gouvernement, pays qui n'a carré comme yo, 26-27 février 2018. Merci tout le monde, sautez là dans la matinée, là, se retrouve, passons une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.